tout le monde, voici Champion MCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, Will Creek, je le sais, faut que j'en parle. Cette vidéo est importante parce que j'ai une question que je me pose. Est-ce que je devrais continuer et investir? Oui, je dis bien, est-ce que je devrais continuer sur YouTube? Je sais qu'il y en a qui voudraient pas que je quitte, moi de même. Parce que moi, j'aime YouTube parce que c'est une passion. Déjà que si je ferais ça pour l'argent, je serais loin de là. Parce qu'avec la nouvelle politique de YouTube, je fais pas d'argent en tout. Je vais aller avec l'autre question que je me pose. Est-ce que je devrais investir? Parce que je compte investir beaucoup. Quand même, quand j'aurai l'argent, je compte investir quand même pas mal sur ma chaîne. Mais venons au fait de la raison de cette vidéo. Je vais aller avec l'autre question que je me pose. Est-ce que je devrais investir parce que je compte investir. Vu que durant la première vidéo de l'année, j'ai fait comme résolution d'avoir une meilleure qualité pour ma chaîne. Et pour ça, il faut que j'investisse davantage pour avoir une meilleure qualité. Maintenant, venons à la vraie raison pourquoi je fais cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que beaucoup de monde peut-être ne pense pas à ça, mais qui est un fait, parce qu'il y a du monde qui pense pour vrai. D'une certaine façon, je suis comme un tout petit peu mal vu. Et oui, c'est dommage à dire, mais oui, je suis un peu mal vu. Pas du sens propre, mais d'une autre façon. Je suis un peu mal vu parce que le monde me considère comme un mime québécois. Mais le problème, c'est que je ne suis pas un mime. Je vais vous dire c'est quoi la vraie définition, dans mes mots bien évidemment, d'un mime. Un mime, c'est quelqu'un qui fait des gestes, tout ça, qui simule, exemple, un cube. Voici un cube. Ça, c'est comme les mimes. Mais, une chose, ils ne parlent pas. Quand c'est que moi, oui, des fois, je fais des gestes, mais ça, c'est naturel. J'y pense pas. Ça vient naturellement. Puis si je serais un mime, je parlerais pas, puis je ferais des gestes comme si je serais un mime. On s'entend? Mais qui est tout le contraire. Mais, la définition que pas la vraie définition, mais l'autre définition. Parce que un mime, c'est ça, un vrai mime. Mais la définition que le monde dit, c'est tout le contraire. Le sens que je vous parle, c'est que c'est de faire rire de ce que l'on fait. Et si vous pensez que je viens de l'apprendre, vous détrompez-vous parce que ça fait un petit bout que je suis au courant de cela. Et ça se voit dans le nombre de vues, en plus. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que je devrais continuer YouTube? Avec ça, j'aimerais avoir votre avis, est-ce que je continue ou non? Si vous me dites de plus continuer, c'est sûr que je vais continuer, mais le rythme des vidéos sera réduit. Au lieu de faire en ce moment 2 vidéos par semaine, le rythme va être encore plus bas. Sinon, si vous dites que je continue, je vais rester à peu près le même rythme que d'habitude. Il n'y a rien qui va changer, tout simplement. Puis la grande question, si je continue, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse? Parce que les projets que j'ai, je vais vous en dire, je vais pas vous le dire, mais là, dans ce cas-ci, j'aurais peut-être pas le choix de vous le dire. Peut-être que ça va avoir un impact positif, du moins j'espère. Bon, moi je vais vous dire sincèrement, j'y ai réfléchi avant de faire la vidéo. J'y ai réfléchi, je l'ai travaillé et tout. Après l'avoir fait le texte, bon, qui est pas complètement, je vais en dire par moi-même. La vidéo était prévue à la base pour vendredi passé, mais vu que c'est la semaine de relâche et tout, je me suis dit que je vais le reporter. Puis ça, c'était vraiment prévu pour aujourd'hui. Mais j'y ai réfléchi avant de le faire. Est-ce que je devrais le faire, oui ou non? Ça finit que oui, je le fais quand même. J'espère que ça va avoir un impact positif et non négatif. Parce que là, je suis tanné, un peu. Parce que moi, j'ai goût de continuer, honnêtement. Ça ne tente pas de continuer en sachant ça. Honnêtement, moi, savoir ça, c'est comme si je me sentirais pas bon que je ne fasse pas de bonnes vidéos. Le pire, je fais de bonnes vidéos. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Mais ça, c'est général pour tous les YouTubers. Moi, ça me fait vraiment quelque chose parce que
Moi, ça me fait quelque chose parce que ça me décourage un peu. Puis ça me donne pas toujours envie de continuer ou faire des vidéos. Une raison à laquelle que moi je me montre pas, je vous dis la vérité, c'est parce que à cause de ça. J'ai déjà vu sur Facebook quelqu'un qui prend des images de moi, prend une capture d'écran, puis crée des choses. Certains youtubeurs vont l'accepter, mais moi je suis pas de ce genre-là. Parce que j'ai envie de continuer sur YouTube, j'aime ça. J'aime bien monter, même si ça me tente pas toujours, c'est une autre histoire. Ça, c'est la motivation et non que j'aime ça. Parce que j'aime ça, qu'est-ce que je fais? J'aime faire des vidéos, j'aime faire du montage. Bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur montage, mais je fais avec ce que j'ai. Je suis pas le meilleur, tout simplement, niveau graphisme et tout. La question vraiment de la vidéo, c'est est-ce que ça vaudrait la peine d'investir? Parce que continuer, ça me tente de continuer quand même. Malgré le nombre de vues, quand ça, à un moment donné, j'avais une moyenne de 30 vues, ça a baissé, après ça remonte, ça repasse, c'est pas constant. Je suis rendu, bon, c'est sûr que je l'ai pas nécessairement, je suis rendu à 400 abonnés, on va dire, on va arrondir ça à 400 abonnés, même si je suis pas exactement 400 abonnés, à moins que ça dépasse 400 abonnés à l'heure que la vidéo ou que vous écoutez, je sais pas. Mais j'aimerais savoir, est-ce que je devrais investir? Parce que je compte investir, exemple, sur un fonds vert pour pouvoir expérimenter cette méthode que je n'ai jamais encore fait ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment expérimenter cette méthode. Mais, en sachant ça, ça ne me tente pas trop d'investir. Moi, ça me dérangerait pas d'investir pour un équipement audiovisuel, micro, un bon micro, puis tout le kit. Ça me dérangerait pas. Je compte même investir sur une bonne caméra. En ce moment, avec quoi que je filme, c'est un Samsung Galaxy S5 Neo. Mais je compte m'acheter une caméra semi-professionnelle avec un branchement XLR. Un branchement XLR, c'est un embranchement qui est souvent utilisé dans les spectacles et tout ça. En gros, c'est ça que. Autrefois, bien encore utilisé, mais autrefois utilisé pour les micros à fil. C'est un embranchement XLR. J'ai acheté ça deux fils XLR, un petit, que je pense c'est un pied ou deux, quelque chose de même, qui va m'être utile de brancher de la caméra au micro, directement sur le micro, parce que c'est un modèle quand même, un bon modèle que je vais prendre. Et celle-ci, c'est de 50 pieds pour que ça puisse de la caméra à un micro, mais que je puisse me déplacer un peu plus. Quand je suis prêt à investir là-dessus, je suis prêt à investir un micro avec tout ce qui va avec pour pouvoir le rentrer dans l'ordinateur. Mais si ça vous me dites que ça vaut pas la peine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire des vidéos là. Ou dans le pire des cas, qu'est-ce que je ferais? C'est que je me rachèterais juste un micro-casque et ça finit là. Puis pour le reste, ce serait une autre histoire. Puis j'irai pas plus loin que ça. Strict minimum. Puis ça va être ça pour toutes mes vidéos. Au grand complet. Puis faire comme d'habitude. Sinon, si vous me dites que ça vaut la peine. Et que ça a un effet positif et tout. Je vais investir pour la chaîne sans problème. Honnêtement, ça ne tentait vraiment pas de faire cette vidéo-là. Mais je me sentais un peu obligé. Parce que ça ne tente pas avoir, comme on pourrait dire, une étiquette. Je sais la qualité de ma chaîne était à désirer d'un début. Mais c'est pas une raison en tant que telle pour avoir une mauvaise réputation. En ce moment, j'ai comme une certaine mauvaise réputation. J'ai pas une mauvaise, j'ai pas une bonne, mais je suis comme entre les deux. J'ai une certaine mauvaise réputation que j'aimerais défaire. C'est ça. J'ai fait une vidéo que je mettais les choses au clair. Mais c'est sûr que ça a mis des choses au clair, certaines choses. Mais ça n'a pas suffi, ça de l'air. J'espère vraiment que ça va avoir un effet positif. Je sais qu'il y en a qui pensent pas ainsi. Mais je sais pas quelle proportion, mais ça m'affecte. Ça affecte pas mal la chaîne au grand complet, en plus de moi-même. Puisque c'est une affaire que je veux m'en débarrasser au plus vite. Pour 2018, comme j'avais dit, un objectif, c'est avoir les 1000 abonnés. Une personne qui m'a dit, la calligraphie.
parce que je fais beaucoup de fautes. J'en suis vraiment désolé. Je voudrais bien, mais le problème c'est que j'ai rien pour corriger pour l'instant. Mais je compte bien évidemment investir pour améliorer ceci. En gros, pour améliorer la qualité en général, que ce soit à l'image ou au son. Le montage, ça, par contre, c'est une autre histoire. En gros, qu'est-ce que je veux, c'est améliorer la qualité de ma chaîne au grand complet. Que ce soit à l'audio ou à l'image, tout simplement. Sur ça, j'espère que le message a bien passé et qu'il y aura des effets positifs et non négatifs. Si c'est trop, ça dégénère trop, par contre, j'aurai pas le choix d'arrêter pour un certain temps. Mais si tout va bien, tout ça, je vais continuer parce que j'ai encore... parce qu'en ce moment, j'ai le temps. J'ai vraiment le temps d'investir sur YouTube. Tandis que j'avais plus ou moins le temps avant. Mais j'aurai le temps de faire plus de vidéos encore qu'en ce moment. Mais je vais rester avec ce rythme-là au cas que quand que je vais aller travailler, au moins, je serai pas mal pris. Et le rythme de mes vidéos sera toujours à peu près la même. Alors pour ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours aller aussi sur mon Discord. Donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.